Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce 8 juin 2016, le gouverneur de la région du littoral souhaite la fin des hécatombes sur les routes de son territoire de commandement. Une rencontre visant à mettre sur pied des mesures devant réduire le taux d'accident s'est tenue ce jour ici à Douala, en présence de tous les acteurs du secteur des transports. Lutte contre la pauvreté, les projets du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pourraient-ils apporter des solutions? On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Je vous l'annonçais tout à l'heure, lutte contre la pauvreté. Les projets du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pourraient-ils apporter des solutions à ce fléau donc? Élément de réponse dans ce reportage que signe Mireille Siabji. Promotion et création d'emplois au niveau communal, un projet du sous-programme de réduction de la pauvreté à la base. D'une durée de 6 ans, soit de 2012 à 2017, il est aujourd'hui à sa deuxième phase. Le sous-programme de réduction de la pauvreté à la base, fruit de la coopération du gouvernement du Cameroun et le programme des Nations Unies pour le développement, a pour but de réduire durablement la pauvreté en milieu rural, en apportant des appuis diversifiés aux populations rurales pour développer des activités génératrices de revenus. Courant 2015, moult activités ont été menées dans les différents axes d'intervention et l'on apprend ici qu'au terme de cette année, 361 projets ont été financés dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pisciculture pour un montant de 478 millions de francs CFA. Des investissements qui ont concerné 4 811 producteurs, dont 54% des femmes. Le sous-programme s'appuie sur les communes pour la promotion de l'emploi et le développement des filières porteuses de croissance au niveau local. Selon des chiffres du ministère de l'économie, à ce jour, seulement 37,5% des populations pauvres du Cameroun ont jusqu'ici bénéficié de ce sous-programme de réduction de la pauvreté à base. Pour le compte de l'année 2016, ce projet entend consolider les acquis et étendre le programme à d'autres localités afin de couvrir toute la population pauvre du pays. Nous restons avec vous, Mireille Siabji, pour parler des projets routiers au Cameroun, ceux-ci marqués par les endettements du pays. Reportage. Le Cameroun veut parvenir à l'exploitation des potentialités de son grand bassin de production agro-pastorale, un projet qui pourrait lui permettre d'accéder à l'agriculture de seconde génération. Pour ce faire, le pays vient de s'engager dans deux accords de prêt devant permettre la construction des infrastructures routières donnant accès à quelques grands pôles agricoles. 117,5 milliards de francs CFA sont ainsi mis en jeu, soit 109 milliards signés en accord le 12 mai dernier en marge de la quatrième réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement pour désenclaver le tronçon Lena-Tibati sur la route Batinga-Ntui-Yoko-Lena-Tibatinga-Undiri. Le second accord signé en Zambie par le ministre de l'économie donne lieu à 8,5 milliards de francs CFA qui permettront d'investir pour le bitumage du tronçon Bingambo-Gan-Zambie sur la route Olamakribi, long de 43 km. Le tout vise à améliorer les services des infrastructures socio-économiques, les conditions de travail des populations, avec une ambition d'accroître l'approvisionnement des foyers de consommation. Halte aux hécatombes sur la nationale numéro 5. En présence de tous les acteurs du secteur des transports, le gouverneur de la région du littoral a tenu ce jour dans ses services une séance de travail. Objectif, comprendre la recrudescence des accidents. Léla Rengans. Une minute de silence pour ceux qui ont perdu la vie sur la nationale numéro 5, l'axe Douala-Bafoussam. En effet, entre le 1er janvier et le 31 mai 2016, 111 cas d'accidents de la circulation se sont produits sur cet axe, soit 253 blessés pour 79 décès sur le coup.
Ces données prises sur les lieux d'accident, sans compter les décès intervenus plus tard, ont été présentées ce jour par le gouverneur de la région du littoral, alors qu'il présidait une séance de travail avec les transporteurs interurbains, les promoteurs d'agences de voyage, les syndicats opérant dans ce secteur et les responsables des centres de visite technique. Un diagnostic sans complaisance a ainsi été établi sur les raisons du taux croissant des accidents de la route dans la région du littoral, où chaque week-end est l'occasion d'enregistrer de nouveaux décès. Tous coupables dans ces drames, de l'État à qui il a imputé le mauvais état des routes et l'entrée au Cameroun de vieux véhicules, aux promoteurs d'agences de voyage qui, plus attirés par le gain, ne s'assurent nullement de la santé physique et psychologique de leurs chauffeurs, ne pensent pas à mettre sur pied des systèmes de rotation pour moins les fatiguer, ou même encore ne voient pas l'importance de bien les rémunérer. En établissant les torts des uns et des autres, il sera également reproché aux responsables des centres de visite technique de très souvent délivrer les licences sans même noter le mauvais état des véhicules. Et pour finir, les chauffeurs seront pointés du doigt pour le non-respect du code de la route, les surcharges, excès de vitesse et attitude irresponsable au volant. Au sortir de la dite séance de travail, il sera décidé de l'intensification des campagnes de prévention routière, ceci dans l'optique de faire de cet axe une route moins accidentogène. Qui plus est, avec les vacances et l'affluence dans les agences de voyage, cette problématique se pose avec encore plus d'acuité. Et vous parlez d'affluence dans les agences de voyage. Nous ferons certainement un tour demain pour faire ce constat. Mais avant, je vous propose d'écouter le numéro 1 de la région et quelques acteurs du secteur des transports. Ils reviennent sur les problèmes des routes et les objectifs de cette séance de travail. Ils seront au micro de Léla Renganze et Gilbert Manguet. De manière globale, je tenons à dire que les constats ont d'abord été dégagés. C'est l'état de nos routes qui se dégrade de plus en plus sur l'axe Douala-Consamba et vers l'ouest. Et nous disons que la hiérarchie va être saisie pour que nous puissions avoir des interventions spéciales pour pouvoir boucher ces routes. Deuxièmement, l'état des chauffeurs qui doivent être suivis sur le plan psychologique, sur le plan physique, s'assurer qu'ils sont à mesure de pouvoir faire le voyage et tenir compte aussi de la distance et du temps. Le voyage de nuit, ce n'est pas comme le voyage du jour. Nous encourageons les agences à pouvoir parfois doubler le personnel par bus pour que, à un certain niveau, celui qui est fatigué, n'est-ce pas, prenne le relais de l'autre. L'axe Douala-Yaoundé, c'est l'axe corridor Douala-Djamina-Douala-Bangui. Cette axe, malgré qu'elle soit petite, elle doit être libérée de tous ses encombrements. La chaussée est pleine de camions mal garés et en panne. Donc, le chauffeur, quand il roule, s'il y a un obstacle, il a du mal à se fuir, à s'échapper. Allez dans les agences, vous faites un peu de tour, vous regardez où est-ce que ces chauffeurs-là se reposent. Est-ce qu'ils dorment normalement? Ils ne dorment pas. Hein? Qu'est-ce que le responsable? Il y a un manque d'entretien, il n'y a pas de dialogue qui existe entre les promoteurs des agences avec les chauffeurs, qui sont les personnes avec qui les promoteurs devraient en permanence communiquer, s'échanger. Empruntons donc cette nationale numéro 5 pour nous rendre dans la région de l'Ouest où la chair blanche, spécialement celle du poulet, est de plus en plus rare dans les espaces marchands de la ville de Bafoussam. Cela fait un peu plus d'une semaine que le virus a été dépisté. C'était dans une ferme à Bayangam. Les autorités de la région de l'Ouest sont descendues sur le terrain pour toucher du doigt la réalité. Je vous propose d'écouter tour à tour le délégué du Minpia et quelques commerçants. À Bafoussam, c'est les parentaux qu'on a vus. Et ces parentaux viennent d'une ferme. Hier, nous avons eu la visite de monsieur le sous-préfet de Bafoussam 2e. Il est venu nous informer que notre marché a été déclaré zone infectée par le virus de la grippe aviaire. Alors, il y avait un processus que les
ministère de l'élevage devait mettre en place pour purifier notre milieu afin que nous vaquions à nos occupations comme ça se passait antérieurement. Le gouvernement a pris ses mesures de casser. S'il va casser toutes les boutiques et il va reconstruire, ou bien ce sont les commerçants qui vont encore reconstruire. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour essayer d'éliminer la maladie, circonscrire la maladie et éliminer. Il y a le protocole, on ne doit pas se limiter seulement au niveau du marché. Il y a le protocole, on doit désinfecter même 3 km. D'électricité depuis plusieurs mois à Abomban dans la région de l'Est. Si d'aucuns voient cela un frein pour l'économie, la situation est encore plus délicate en cette période d'examen de fin d'année. Gustave Époque et Joseph Komouni. L'heure est grave à Abomban, chef-lieu du département du Haut-Nyon. Raison, l'absence de l'électricité dans la ville depuis plusieurs mois. Du coup, les populations locales se demandent si Néo Cameroun veut réveiller les pires démons de la journée du 17 septembre 2007. Voici le nouveau bâtiment qui abrite les services de la préfecture. Reconçu d'ailleurs après ces tristes événements, mais pas d'électricité de jour comme de nuit ici. Et surtout en cette période des examens officiels, il y a lieu de s'inquiéter. On souffre avec l'histoire de l'énergie là. Quand on laisse l'énergie pendant 2 ou 3 jours, c'est pour passer avec les parties. Tout le reste du jour, on passe dans le noir. Vraiment, on souffre. Il y a eu même des pauvres qui savent, parce que là, on ne peut pas arranger la situation. Nous avons des petits frères qui sont des élèves, nous avons des frères qui sont des grands frères qui sont des professeurs, qui n'arrivent pas vraiment pour les plus petits à vivre, à étudier la nuit. Et pour les professeurs à préparer des cours. Ce qui nous amène parfois souvent dans le département à avoir des échecs. Et pour ceux qui ne fréquentent pas ou qui ne travaillent pas, qui utilisent des activités comme peut-être les moulins, les fers à souder qui consomment, ça empêche le développement dans le département. Au centre-ville, les commerçants se sont adossés sur les groupes électrogènes. Protection du bassin forestier d'Afrique centrale, où en est le Cameroun avec son projet de certification forestière? La question intervient au soir d'une rencontre organisée hier mardi à Yaoundé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Il s'agit notamment de l'ouverture de la deuxième phase de l'initiative pour le patrimoine mondial forestier d'Afrique centrale. Reportage Estelle Bébé. La certification forestière est reconnue comme un système relevant des bonnes pratiques d'un ensemble de mesures permettant aux exploitants forestiers d'un État d'exploiter les forêts de manière durable. La certification apporte énormément au Cameroun. Vous prenez seulement le plan social. Vous allez voir que les communautés locales qui vivent en périphérie d'une concession certifiée sont nettement mieux loties que celles qui vivent dans une concession qui n'est pas certifiée. Si vous allez dans une concession forestière certifiée, vous allez voir que les employés, les tenues, le comportement du personnel est nettement amélioré par rapport à ceux qui viennent opérer sans certificat. Depuis octobre 2007, le Cameroun est doté d'un programme de certification dénommé PEFAC. À ce jour, une vingtaine de sociétés sont déjà engagées. Il y en a qui ont déjà obtenu la certification et d'autres sont encore dans les états préliminaires. Ce nombre limite de sociétés certifiées s'explique. Actuellement, beaucoup de sociétés pensent que le processus de certification, surtout celui du FSC, qui est promis par le WWF, est un peu coûteux. Et donc, pour le moment, la plupart essaient de s'engager sur les processus de légalité et non sur la certification proprement dite. Ce processus de légalité a également quelques points sur le plan social et environnemental. Seulement, ces critères s'avèrent moins efficaces que ceux de la certification Forest Stewardship Council, FSC. Pour inverser la tendance, selon les observateurs du domaine, le marché devra être à la portée de tous. Ainsi, les acheteurs pourront désormais supporter une partie du coût du moment où chaque société s'engagera au système de certification forestière.
Droits de l'homme au Cameroun, conclusion des travaux de préparation du rapport. Les rideaux sont tombés ce mercredi sur les activités liées à la validation du rapport du ministère de la Justice du Cameroun sur l'état des droits de l'homme au Cameroun en 2015. La direction des droits de l'homme et de la coopération internationale du dit département, qui a dirigé les travaux, vient de présenter les conclusions des échanges. Écoutons à cet effet le secrétaire général du ministère de la Justice, Georges Nguamessia, est au micro de STV. Mesdames et messieurs de Point Foucault, je voudrais saisir cette occasion pour vous exhorter de procéder à la collecte et à l'analyse diligente des données devant être communiquées au ministère de la Justice pour enrichir les pages manquantes du rapport. La même sollicitation vous est également adressée pour la transmission des données relatives à la rédaction du rapport 2007. La tâche n'est pas certainement très aisée, mais elle n'est pas non plus impossible. Votre intelligence au sein de vos administrations et institutions devrait vous permettre de trouver le meilleur levier à activer pour compiler à temps les données concernant vos secteurs respectifs. C'est cette invitation à travailler sans relâche et avec abnégation, de manière concertée avec vos pairs, que je voudrais vous adresser en particulier. En santé, la carte nationale du donneur de sang a été présentée ce jour à Yaoundé en présence du ministre de la Santé publique. Cet outil d'identification et de valorisation vise à organiser le secteur. La phase pilote va courir sur 6 mois avant de s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Et les premières cartes nationales du donneur de sang seront disponibles à l'hôpital central de Yaoundé et à l'hôpital Lakintini de Douala. L'action sociale exposée à Douala ce 8 juin 2016. La deuxième édition de la foire de la petite enfance et de l'action sociale s'est ouverte ce jour à l'esplanade de la Chambre de commerce, des industries, des mines et de l'artisanat. Objectif, visibilité des structures sociales sur les questions de l'enfance. Pendant 3 jours, en plus des expositions des produits locaux, des consultations gratuites sont faites en kinésithérapie, psychologie, psychopédiatrie, médecine générale et contrôle de la vue. Je vous propose à présent d'écouter tour à tour honorable Marie-Dine Bouen. Elle est le délégué départemental du ministère des Affaires sociales pour le Vouri et Franck Kouéché, c'est un exposant. Rendu à la deuxième édition, les leçons que nous avons tirées de la première édition étaient qu'il n'y avait pas une bonne mobilisation des structures et des partenaires tels que vous êtes en train de voir. Il fallait donc que cette deuxième édition soit pour qu'il y ait une bonne visibilité des structures de l'action sociale dans le département du Vouri et que cette visibilité concours à l'appui et à l'accompagnement de ces structures qui œuvrent jour et nuit auprès de la petite enfance. Et mettre en évidence la transformation nationale et de national des produits 100% camerounais. Oui, là, comme vous pouvez le voir, il y a des produits transformés localement à partir du cacao camerounais. Il s'agit spécialement du chocolat. Nous faisons aussi la transformation du piment. Vous savez, c'est la saison. Ça, c'est du piment de table. Oui. Donc, il y a ce problème de perte post-récolte. Oui. Et notre objectif ici est justement de pallier, de lutter contre ces pertes post-récolte-là. Parce que beaucoup d'agriculteurs en souffrent. Du ramadan, rupture du jeûne dans une famille musulmane. Comme chaque soir depuis lundi dernier, les fidèles musulmans du monde entier procèdent dès le coucher du soleil aux environs de 18h30 à l'étape de rupture du jeûne. Afin de vivre ce grand moment de la période du ramadan, notre reporter Estelle Bibin s'est rendue il y a quelques heures dans un domicile du quartier d'Itinga, c'est à Yaoundé. Suivons son reportage.
Il est actuellement 18h passé de 30 minutes. Nous sommes à l'entrée du domicile de la famille Labaran que nous allons rejoindre dans quelques instants pour la rupture du jeûne. Et voici notre première rencontre à la porte, le chef de famille. Lui, c'est Baba Sabiou. Il se dirige actuellement à la mosquée afin de prier en congrégation. Parce que la prière en congrégation, c'est la prière recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez prier à la maison si vous ratez la prière en congrégation. Mais la prière en congrégation est plus rentable. À l'intérieur, à présent, deuxième rencontre, elle, c'est Mama Indouf, la mère de famille. Pour commencer, elle également s'adonne à la prière. 18h45, Baba Sabiou est déjà de retour en famille. Après la petite prière, c'est l'heure du repas. Et il est question de manger au sol, tel que recommandé par le prophète Mohammed, à l'image, le menu de la soirée. Entrée, il y a la purée d'avocat accompagnée et le plantain avec la viande émincée et le soya. Puis il y a la bouillie et le couscous avec la sauce kelenkelen. Et la fin, il y a le dessert. Dans le menu, on n'a pas le poulet. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le poulet ce soir? Le mois de Ramadan. Le poulet est interdit parce qu'il y a la grippe aviaire, même à la brique partout, il n'y a même pas le poulet. Les bouts de choux de la famille, eux aussi sont de la partie ce soir. La petite Razia et son frère aîné Chourem, visiblement très contents, ils peuvent enfin se gaver de nourriture. Un plaisir qu'ils attendent depuis quelques heures. Cet exercice de rupture de jeûne, la famille Labaran devra la mettre en pratique courant toute la période de Ramadan. Merci à vous Estelle Bébin pour ce reportage. Nous allons à l'étranger à présent. Du 3 au 7 juin 2016, 15 stations audiovisuelles venues d'Afrique centrale et de l'Ouest ont pris part à Abidjan en Côte d'Ivoire à la deuxième conférence des affiliés. Les séminaristes ont entre autres pris connaissance des différents réseaux sociaux sur lesquels les reportages peuvent être faits en direct grâce à des applications spécifiques. Au rang de ces applications, on a donc Skype, Instagram, Periscope, entre autres. Quatre formateurs venus des États-Unis et d'Afrique ont animé ces séances de travail. Envoyé spécial à Abidjan, Dipita Tongo. Du 3 au 7 juin 2016, 15 stations audiovisuelles venues d'Afrique centrale et de l'Ouest ont pris part ici à Abidjan, Côte d'Ivoire, à la deuxième conférence des affiliés. Il s'agit des stations de télévision et radio partenaires à la Broadcasting Board of Governors, instance au sein de laquelle est adossée la chaîne de télévision américaine Voice of America. Il a été question de rencontrer les hauts responsables de BBG, VOA, prendre connaissance de leur programme, parcourir les relations avec les partenaires. La deuxième phase de la rencontre a permis aux participants de suivre une formation dans le cadre d'un séminaire dont le thème était « Réseaux sociaux, outils essentiels des journalistes ». Cette session a porté sur la façon dont les médias ont changé de la communication bidirectionnelle à la plateforme digitale moderne et aussi comment les nouvelles technologies ont changé la façon dont les journalistes font leurs reportages. Les séminaristes ont également pris connaissance des différents réseaux sociaux sur lesquels les reportages peuvent être faits en direct grâce à des applications spécifiques. YouTube, Skype, Instagram, Twitter, Periscope ont ainsi dévoilé leurs secrets. Quatre formateurs venus des États-Unis et d'Afrique ont animé les séances de travail. Au soir du 7 juin, les responsables des chaînes de radio et de télévision venus en Côte d'Ivoire ont reçu des parchemins de fin de stage, preuve que la leçon a été assimilée. En attendant la prochaine phase, les apprenants d'Abidjan devront implémenter les notions acquises tout en contribuant au renforcement des échanges entre VOA et les chaînes locales. Et nous restons justement avec VOA pour avoir Laurent Dopafrique. La justice burkinabé renonce à son mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, mais demande à la Côte d'Ivoire d'engager une procédure de dénonciation.
L'élection présidentielle au Gabon est fixée au 27 août 2016, a annoncé la Commission électorale nationale autonome et permanente, CENAP. La campagne ira du 13 au 26 août à minuit. En Tanzanie, un tribunal reporte au 20 juin le jugement contre Yang Fenglan, une chinoise surnommée Reine Ivoire. Elle est accusée de grande contrebande et de braconnage de défense d'animaux à l'extérieur du pays. Jeannette Museveni, épouse du président ougandais Yoweri Museveni, est nommée par ce dernier au poste de ministre de l'Éducation et des Sports dans le cadre d'un remaniement du gouvernement. Et cette note donc triste pour fermer ce journal, le monde du football africain a une fois de plus été frappé par la mort. Stephen Keshi, l'international nigérian, s'est éteint brutalement dans la nuit de mardi à mercredi des suites d'une crise cardiaque, laissant ainsi les férus du football dans les mois. Mesdames et messieurs, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.